Aujourd'hui, j'ai ici aujourd'hui à parler à toi sur les articulations. Il y a beaucoup d'articulations dans le corps. Et j'ai ici pour expliquer tout sur les articulations. Ici, c'est l'articulation de retour. C'est une articulation qui connecte à un socle. Aussi, la partie qui bouge, c'est os qui comme un ballon. Ici, c'est la partie de le ballon en le articulation et le socket, c'est à connect à le socket et ça c'est tout en sa articulation. Ici c'est l'articulation de charnière. Quand je regarde à l'articulation, c'est regarde comme un cylindre. Aussi le mouvement, c'est un cylindre bouge avec le surface en le bas. C'est aussi quand tu regardes à l'articulation, c'est il y a deux parties ici et ici. Et aussi, j'ai correctement grammaire en ça. Ici, c'est l'articulation de selle. Si tu regardes l'image, ça l'articulation dans l'anatomie de la nid. Je sais ça parce que j'ai dessiné l'image comme ça. Mais c'est une différente image. Ici, c'est si tu regardes l'image de le mouvement, ça l'articulation est trop bon parce que ça bouge dans plusieurs directions. Aussi, l'articulation, je pense que c'est dans ici, oui, c'est dans ça que ça. Et ça c'est tout en sa articulation. Ici c'est le finalement articulation. C'est l'articulation de glissement, c'est l'articulation. C'est beaucoup de petites articulations dans ton main. Ici, alors toute l'articulation en sa partie et ça c'est tout. Ici, c'est mon conclusion. En conclusion, ça, c'est tout de l'articulation. Je crois que tu as beaucoup, tu sais beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires?